parti, Sanary est marraine du plus beau marché de France 2019. Donc, n'oubliez pas une chose importante, nous sommes le premier plus beau marché de France. La fréquentation de l'office du tourisme est en augmentation que je qualifierais de phénoménale. Voilà. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, le montant des subventions aux associations est de 391 680 euros et que jamais, jamais, nous n'avons baissé. Les subventions aux associations, sauf ponctuellement pour une raison précise ici ou là, mais ça reste très, très, très marginal. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu cette semaine un courrier de M. le préfet me disant qu'il nous prendrait 0 euros sur la pénalité SRU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons cette pénalité SRU, l'équivalent de cette pénalité SRU, nous l'avons investi dans le logement social, dans l'acquisition de terrain pour faire tout ou partie en logement social, et que donc, en déduction, on est arrivé à zéro. Ensuite, depuis tout à l'heure, nous avons présenté un nouvel outil de travail, je dis bien un outil de travail, qui s'appelle Mon avis citoyen. C'est de bien percevoir encore plus finement les problèmes qui peuvent se poser dans la cité. Maintenant, à partir de cette année, dès que commencent les vacances scolaires de Pâques, quelle que soit la zone, dès qu'elles commencent, les plages ouvriront. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'elles seront toutes sans tabac. Nous avons étendu le réseau Columbus, donc les deux circuits existants ont été étendus pour le mercredi matin et le samedi matin, et nous avons mis en place une liaison entre le centre de Sanary et la gare SNCF, c'est-à-dire la limite.